Ah bah super. Arrête de monter en copilote, ça te dérange pas. Ah oui, clairement, ça me dérange pas du tout. Du coup, c'est à toi tes copilotes. Ah merde, ok, c'est toi qui... Ok, d'accord, ça me dérange pas. Je pensais que tu voulais piloter, du coup j'étais là. C'est bon, vas-y. Ah, moi, tu préfères que je pilote? Non, prends-le en main, bah, amuse-toi. Pour l'instant, peut-être que tu pourras t'esquiver les prochains soucis. Perculator, légère avarie, j'ai explosé. Alors attends. Je reviens en Aquila. Ok, reçu. Tu peux les faire avec 3, si tu veux. Enfin, 5 en 5. Donc là, je prends la direction à des petits messieurs bleus qui sont loin, c'est ça? C'est ça, voilà. Un peu sur la droite par contre. Ok. Voilà. Ok. Tu pourras marquer sur la gauche. Nickel. Tu rentres le pipeline, tu rentres avant gauche. Ah voilà, sous le sol. Ah ok, c'est, il faut que je continue, c'est ça? Pardon, excuse-moi. Non, c'est ça. Ok, je reste là, parfait. Non, ton tour, ton tour, suite. Ok, ok. Corbin, j'ai craché. Ok, Corbin. Next. Bah, j'essaie de me connecter. Ok. À droite, alors il faudra tout cliquer avec l'équipe si possible, parce que je trouve que tu peux voir, ça reste à 4-4, ça fait mal des fois avec les cailloux. Ouais. C'est joli. Tu peux justement rejoindre la ligne de départ et si nos commissaires n'ont pas très attention, il est possible que du coup tu sois passé premier vu que vas-y, passe la ligne de départ. Ok, ok, c'est juste. Sûrement ils vont te passer premier. Ah bah probablement. Mais en vrai, je me suis donné à fond. Hein. Ah ouais, totalement, là c'était une course des plus éprouvantes. On ne fera pas de commentaires sur les rien. Ah, je suis premier les gars, ils l'ont dit. Hein. Bah, je te laisse t'entraîner avec, si tu veux avec le véhicule. Ok, tant super. Moi je vais... Et les amis, j'ai juste envie de vous dire que c'est la première place pour Radio STV quoi. Avec le lever du soleil. C'était une bonne... Regardez. T'as vu ça ? Mais je pense que j'ai tout calculé en vrai les gars. Hein. Totalement. Par contre, les gars derrière toi, il va y avoir du monde qui va arriver. Ah ouais, vous voulez jouer à ça avec moi. Oh, c'est vraiment pas normal que mon... Tu es où? Dégage de là. Ma voiture. Oula, je suis... Ah oui, ok. Ça veut dire que t'es très proche de l'arrivée peut-être, non? C'est la drogue. T'as pas resté. Morderide à 3 ans, ouais, super, go with. Regarde si tu vois une tour avec une grosse lumière. J'en vois une derrière. Tiens, chais. Oh, il est en feu, il va péter lui. 100%, il explose. Oh, me jette pas dessus, t'es malade. Non, il va péter. Arrêtez de me pousser dessus, bordel de merde. Ah oui, lui il explose, il fait du back. Yes! J'ai un Cutlass qui me passe juste à côté. Je pense que là, mais je reviens. Donc, tu vas prendre deux battu balai. Tu prends ton. Moi, tu veux participer en tant que coureur? Pas participer en tant que coureur, je vais t'embêter. Garage 1 libéré. Je vais sortir mon. Je pense que je vais tirer sur les coureurs. Et si y a un trop de soucis, j'en vais prendre deux. On a même potentiel à la sortie du jeu où ça serait une guerre générale. Okay. Toute la commune contre les aliens. Prends un véhicule vert à la ligne de départ. Je vais me mettre à côté de Shinitia. Si d'autres personnes qui ne sont pas été présentées ont déposé des cyclones RC qui est bien en faire spawn aussi en attendant que le choisir revienne. Est-ce qu'on peut monter en covoiturage? Bien sûr, tu montes en covoiturage. Si tu montes avec Citia? N'importe. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je suis rentré dans un. Qui? Lento, je suis rentré dans un il a des, pop. Des véhicules, il a des pop et je me suis retrouvé quelques mètres après. J'ai pris un cul tout à l'heure. Là il y a Citia mais il se met en passager donc je suis pas sûr de comprendre. C'est quand les véhicules sont claim trop vite en fait, il faut être un peu loin du pad. Yep. Faut dire un petit. Eh Cynthia,
allez pas trop vite du coup pour les claims. Attendez qu'on. Écoutez, moi je vais rester là. Excusez-moi. Tu commences à sortir, moi je vais dire partout. Lento, essaye. Prends qui tu veux en fait, Joss, tu es libre de choisir. Eh bah c'est bon, j'ai Corbin là qui est dans l'obligation véhicule. Je me dirai sur point. Merci Nemo en tout cas, c'est très gentil, merci pour les 5 top gift. Rebienvenue à Tulbi qui passe son deuxième mois grâce à ça. Zeya, Netas, Pantouferl et Chris qui fête son deuxième mois sur Adjust TV. Merci beaucoup. Un gros bisou à toi. Oui, c'est moi le chef, mais bon, quand même. Ça, c'est une pipeline. C'est un peu comme une pipelette. Mais contrairement à la pipelette, en fait, la pipeline sert à tout simplement à passer un produit d'un point A à un point B par des conduits, tout simplement. Si voilà. Vous êtes en train de vous placer, vous changez les canards. Les pieds sur le siège, bah ça va quand même. Alors que la pipelette, c'est juste pour casser les couilles d'un point A à un point B. Calculator ? Oui. Course normale ou. En tout cas, merci Néo pour les subs. Gift. C'est très gentil. C'est trop mignon, il y a des gens de Link et Terracine. Link et Terracine. Bonsoir à vous. C'est vrai que dernièrement je joue aussi à Star Citizen, je crois. Et que du coup Omega Protectoral leur a proposé de savoir si vous voulez faire des événements avec eux, je crois. Je peux emprunter une station pour faire spawn moignure, ça s'il vous plaît. Vas-y. Ouais, bah je te laisse de gauche si tu veux. Au fraîche. Bon, oui. Yes, c'est moi le chef, moi je reste là. Moi. Ah, pardon, qu'est-ce que je fais? Je descends. Ok, oh. Si tu es dispo. Oh, je vais rester là. Je suis observateur. Faut aller chercher ce cyclone ou. Oui, bon, j'étais en fait. Ouais. Bien sûr. Pas dans ça pour toi, c'était à cette chaîne de départ. T'as déjà posé la date sur ton avis, c'est ça? Je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. J'attends que le véhicule s'arrête. Clément Azur. D'ailleurs, Bellerfuen, je remarque que j'ai pas les noms. C'est pas très grave. C'est horrible, je vais perdre mon PC, j'ai lancé Apex et l'écran vert avec l'odeur de cramé. Mais non! Pas de libre. La voiture pète encore, c'est un complot. Ah, si la voiture pète encore, les gars, je pars. Ah oui, j'active mon micro et je leur dis, mes chers parents, je pars quoi. C'est sûr, manger un sur le stream sur Star Citizen, j'étais en. Juste, il est trop beau chez Tarada. Ah ouais? Salut Tarada. Ah oui, c'est vrai que Tarada, c'est un peu le. Il filme. Hein. Oui, mais Tyson, c'est sur un coup d'énervement, c'était surtout pour le spectacle, les amis. Tarada qui est en train de filmer notre superbe ligne. Regardez ça. Ouais, c'est super beau les images. Hein. Putain, avec le lever de soleil. C'est grave beau. Avec le soleil derrière, ouais, du coup. Ah, ça doit être grave. Les images vont être dingues. Et encore, c'est parti en sucette, la ligne. Du coup. Mais regardez comment ils sont. Franchement, vous pouvez pas être dans cette communauté et faire ce que vous voulez, quoi. Genre, regardez l'alignement des voitures, quoi. Genre, s'il y a Jean Rachid qui s'avance de 6 mètres, là, il se fait prendre dans un channel. Dans le channel, t'es con. Hop, y'a le leader qui arrive et L'Oréal lui fait. C'est quoi ton problème? Je peux pas parler mal de la chasse. Genre, c'est vraiment insane. Genre, ils sont tellement bien organisés. Oh putain, on va se faire engueuler, gros, avance pas comme ça. Jean-Mi du Nord. Achetez le jeu. Ah oui, j'ai vu que David, tu l'avais acheté. Merci pour lui. Ah, il savait que j'étais italien en face. Et en gros, il voulait juste m'éclater parce qu'en fait, j'avais mis. Enfin, niveau kick, les amis, en fait, je suis droitier gaucher. Du coup, quand au football américain, surtout aux USA, il y a un mec qui tire du droit du gauche de la même puissance. Et à 45 yards, ils sont en mode il y a un problème, il faut le casser en deux. Et en plus, j'étais là, LB dessus, donc j'étais pas un kicker qu'on met sur la touche pour juste kicker, donc j'étais LB. Et du coup, bah pour pas me permettre de mettre des kicks. C'est parti! Tizing, t'as un souci? T'as pas. Tizing? Oh putain, c'est rentré comme des bâtards. Ah, je suis mort de rire! Il y a une voiture qui est restée parquée.
Monsieur, s'il vous plaît, je me retourne avec les deux rencontres avec les autres ici. Ah, qui va monter la première course. Dans une du fair play. Un peu les fair play, quoi. On switch à nos respectives choses. Oui, yes. Je suis mort de rire. Il a fait le start que j'avais peur de faire. Allez Corvin, allez. C'était quoi ce qu'il veut dire? Le respect, c'est ça? Allez Corvin. Le fair play. C'est un truc que les Anglais ont inventé parce qu'ils perdaient trop coup de nous. Mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Bah non. Allez les gars, mettez un petit Corvin là dans le chat là pour l'encourager là. Un petit hashtag Corvin. Ah c'est donc pour ça. Un petit hashtag Corvin là. Alors par contre, si je te pousse caillou, ça pardonne. Aïe. Oui, allez Corvin. Allez Corvin. J'ai vu avec Minj à la partie précédente. Corwin, vous pouvez mettre Corwin du coup. C-O-R-W-I-N. Je crois que je suis premier, mais je sais pas où aller en fait là. Ah, bah, gauche, bah, recule! Corwin, je crois qu'on est premier là. Je vais la checker. Attends, je laisse passer le deuxième là, vas-y, je vais suivre, je loupe de la fin. C'est le bon strat ça. Je vais suivre à peu près. Sinon, tu pars dans un chemin et tout le monde. Ah, si, si, tu vois. Corwin? Ah, t'as vu Cookie qui me fout dessus, dis donc. Corwin, est-ce que ça va? Il y a quelqu'un qui a décidé de se barrer. Moi, j'arrive à vitesse. Yes. Non, je nous ai fait perdre l'autre jour sur Apex. Eh, regardez, on est toujours à 18 FPS. Bah Joko, qu'est-ce qui t'arrive? Des trucs dans le genre. Ouais, je vais faire ça. Oh, oh, oh. Virage droit 30 degrés. Désolé, je fais le copilote. Ouais, oh vas-y, c'est qui les voitures qui sont retournées? Oh yes. Non, vous êtes sérieux? En fait, je vais être rentré dedans là. En fait, je crois qu'il s'est trompé. Oh, y a quelqu'un qui vient de remettre sur le... Eh, c'est 18 FPS constant. C'est parfait. Vas-y, prends ça. Oh yes. Ah, non. Merde, ça va marcher. Non, je crois qu'il faut que je coupe le contact. C'est parti. Corvin, yes. Ah, je suis maudit. Oh, j'ai l'installation qui vient juste... Yeah, y a pas la stabilité, ouais. Ouais, il... Après il y a pas mal de rebonds. On est... Après comme je vous disais, c'est des zones qui sont pas faites pour... On a 20 FPS. 20 FPS. Parce que... Je m'appelle le temps et je suis sur la... Ah c'est toi. Et t'allais plus loin que toi. Ouais mais moi j'ai explosé gros. Eh j'étais 5ème hein, quand ça pétait. Corvin il a sa propre course. Et clairement c'est... Corvin est comme moi. Pour le demi-tour. Celui où tu veux. En évitant les autres. Bah c'est pour ça que je proposais qu'on se fixe instance tous ensemble. Bah non justement. Après il a raison, il fait découvrir la course aux viewers. Oublie déjà le fair play. C'est quoi le but du jeu? Oh juste... On a dit qu'on connaissait pas ce mot. Essayer de voir ce que fait Corvin. On était pas anglais. heureusement qu'il n'y a pas de Québécois ce soir. Hein. Les Québécois ils sont anglais. Non. On va leur dire qu'ils sont anglais, ouais. Non, mais on leur dira aux anglais quand on ira visiter le studio de Manchester là. Yes, yes, Corvin, le pour le virage à droite, enfin, soon. Il est sur la Canada, ouais, la province du Québec, elle s'est un peu battue contre. Ouais. Ouais. M'étonne. Voilà. Let's go, Corvin. Allez, casse-moi cette touche shift, Corvin, full speed. On est toujours en vie, grâce à Corvin. La voiture balai, elle est pas dans le channel. Ça existe un jeu pour s'amuser, bien sûr. Un exemple. J'ai mes touches rémanentes qui ont voulu s'activer. Ça va, à quelle heure? Non, pas je m'en ai, mais je commence à tomber fatigué. Ouah, du calme, tu désactives tes touches rémanentes. Bah, je sais pas, hein. Tu peux rester appuyé ou ça passe comment? Non, c'est un. Tu peux rester appuyé, mais ça dure 30 secondes. Déjà, on attend la fin de la course. On était sur quoi déjà avant ce départ? Plutôt 5 secondes. Ah, bah, t'es revenu, j'ai tout. Lento, tu veux pas te manger un caillou comme ça je te rattrape? Non, non. Puis j'évite de bouffer ta poussière pendant. Lento, il aime bien les caillou. Hit my dust. Au pire, ce que je peux faire, c'est sortir du véhicule. Oui, ah non, mais non, je peux pas utiliser l'arme. Une mauvaise course tout à l'heure. Et je tire sur les autres véhicules. J'aurais pu faire ça. Écoutez, ce qui est bien, c'est de finir la course. Hein. Pas encore. Ah, c'était le temps, et maintenant. Par contre, il a vraiment, genre, à un moment, il a refait demi-tour. Et il est parti au début, quoi. Merci Simon pour le resub et le 14ème mois. C'est très gentil, j'espère que tu vas bien le Belge. Merci beaucoup. Il y a deux
Alors oui les amis, pour les clips, il faut être abonné pour mettre le clip sur le chat. Sinon vous pouvez le mettre sur le clip de Discord, sur le canal de Discord pour les clips. Sinon vous allez vous faire Théo, tout simplement. Même si c'est pour une bonne cause, voilà, il y a que les abonnés qui peuvent mettre le clip de la chaîne sur le chat. Oh putain, j'en peux plus, hein. C'était tellement épique. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Le monde est fabuleux. Bon, c'est comment tu vas pas profiter de la vue actuelle. Ouais, le plus drôle, c'est quand tu vas rencontrer. Non, mais au pire, on fait ça. Hein. Torden ? Tu m'assoies avec toi tout seul ? Ouais, rapidement, ouais. Ah, attends. Parce que je te voyais toujours en train de vouloir détruire des véhicules à coups de flingue, c'est beau. Ah non, je rigolais, bien entendu. Tu peux mettre un pigeon si tu veux, mais ça va pas être possible. Ah non, t'inquiète pas, je rigolais, ne m'engueule pas. Non, mais c'est dehors. En fait, il s'est passé un truc méga drôle. Je t'écoute. En gros, tu as fait le décompte et Corvi n'a pas démarré. Mais genre il a mis tellement longtemps et j'étais mort. Et genre il part tout droit et genre il fait un virage avec, je pense avec la perte d'FPS, et il est reparti au début. Et du coup je pense que la course est déjà finie, on est en train d'arriver du coup. Non, parce qu'il y a une sangle, il y a des signes, j'espère qu'il y a encore derrière vous, si votre pote, tu peux être passé en troisième personne, tu vois qu'il d'accord. Est derrière vous, il a lui aussi j'ai du problème pour démarrer. Le moteur froid, il semblerait. Ok, mais t'inquiète, hein, je voulais tirer sur personne, c'était juste pour animer le chat. Non, c'est bon, pas de soucis. Je termine avec les autres si tu veux. Pas de soucis. Alors bon, tu fermes ta gueule, mais tu tires pas, ok. T'es vraiment genre. Je vous ai dit, il m'assoit dans le canal, vous êtes mon golf. Oh putain, elle est des rushers, faut trouver le moment où je dis ça, où il se passe ça, faut vraiment faire ça. Hein. Vous savez quand je parlais des 3-6 mètres devant avec les voitures. Se prend un coureur malencontreusement sur retour. Il y a un retour. Je suis de jambes du nord. Eh, si je prenais des flingues là, je peux défoncer tout le monde là. Alors toi tu... Non. Oh putain, oh mon dieu. Oh, qu'est-ce que c'est marrant. Oh, qu'est-ce que c'est marrant, et je joue même pas, quoi. Oh. Oh, c'est tellement drôle. Oh, putain. Meilleure soirée. Allez, Corvi. Mais oui, on n'est pas dernier, du coup. Mais y'a qui derrière, du coup. Ah, peut-être quelqu'un qui a explosé. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, en fait genre d'un coup je regarde mon écran et je vois Thor et moi, et j'étais là en mode qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait. Et non, j'entends non. Ouais, les armes là gros. Oh merde, ça m'a... Oh putain, ça m'a tué. Putain, Thor il m'a tué aussi là. N'importe quoi, putain. Alors par contre ouais, le... C'était bien marrant. Je t'ai mis sur le tour. Merde, ça fait du bien de rigoler à 23h20. Peut-être pas pour la voisine, mais ça fait du bien. Non, j'ai voulu regarder en vitrine. Ah putain. Vous êtes fini par Hugo Sourier. Yes. Au pire, pendant que je suis filmé, je descends de mon véhicule. Non, mais je vais me refaire ça. Banjus, je crois que t'as pas compris. Tu peux passer au-dessus. Captain, ouais, je crois que tu m'as passé au-dessus. Yes, je check Discord. Attendez. Hop. Et le boss. Attention, atterrisse à. Quelqu'un a déjà fait le tour ? Les croisements par au-dessus, quoi. C'est terrible. Les autres qui sautent, on passe en. Ah, on verra, DRK, yes. Of course. Ça fait aussi peur, c'est terrible. Faut dire. Oui, ça craignait rien, c'est ce que j'ai dit, Gold, vu qu'il y a le. En fait, en haut là, il y a une munition en fait barrée, ça veut dire qu'on peut pas utiliser d'armes. Et en fait, le viseur avec la tête, c'est Corvin. C'est que là, il est recherché. Allez, Corvin. Yes. Hey, Corvin au pire triche. Voilà, tourne et repas. Ah ouais, tu vas la guette, tu prends
le métro. Thor qui va me reçoit. Douce, du coup, le but du jeu, c'est pas tricher. Oh merde. On y est presque en plus, il est là-bas le machin. Je vois pas clairement, je vois Godwin. Triche, Corbin, triche. Non. Oh, tu l'as cherché là. Tu l'as vraiment cherché. Allez, on y est presque, on y est presque. Let's go. J'aime c'est pas là. Les cailloux. Vas-y, Corbin, vas-y. Non, en vrai, je pense que j'aurais top 1. Pas du tout, pas du tout. Je serais perdu. Oh, bah, l'esquive. En vrai, ça aurait été trop marrant, vous savez, avec les caméramans. D'un coup, ils voient Corvin, genre, à la 10ème place, 5ème place. Oh là là, la remontada, mais que s'est-il passé? Est-ce qu'on a les images de leur dépassement? Genre, il y a quelqu'un, oui, et tu vois le mec qui, en fait, qui venait, qui retourne comme ça. qui repart. Ah, j'imagine Ghost Slayer, ouais. Un enfant, ce streamer, oh, ça va. Ouais, ouais, il est bête. Aïe, aïe, aïe. Bien. En fait, j'ai hâte de voir un petit peu tous ces vidéos de ces événements, en vrai. Je sais pas si le dernier événement avec la bataille intergalactique était sorti. Avec l'explosion des Hammerhead. Hein, c'est ça, Hammerhead. Hein. Yes, je crois que ça s'appelle comme ça, si je me souviens. Oh non. Superbe. Je me suis plus qu'à casser le tout seul. Superbe. Pouni, t'es premier ou... Ah, je regarderai. Non, sur la chaîne Terrada, ok, j'irai voir. J'irai voir. C'est bon, je l'ai passé à Valide Claim. Quatrième ou cinquième Spoony, je crois. Vous savez que la tête de marteau est aussi représentée par les requins de marteau, hein, bien entendu, de la famille du requin. Yes, vous êtes au courant de ça. Putain, on est plus dernier. En vrai, c'est pas dégueu, hein. Pas se retourner. Les marteaux têtes. C'est yes. Tout quoi. Ouais. Ah merde. Marteau piqueur aussi, yes. Virage, j'ai... Il y a les requins scie aussi. La course apocalyptique. Les requins tournevis. Les requins clous. Non, mais c'est moi le premier qui me suis fait avoir. Hein. Je suis dans la voiture balai. Le cutlass balai. Non, j'ai raté un rocher, voilà. Non, justement. Eh, vous saviez que les requins. Bulldog. En même temps, il y a des rochers qui traversent à un moment. Sont les seuls requins, enfin certains requins bulldog, bien entendu, sont les seuls requins à pouvoir respirer dans l'eau douce. Ah non, c'est juste. C'est-à-dire qu'on a répertorié pardon, des attaques de requins en Australie. Alors regardez et dans certains fleuves en Amérique où des requins bulldog ont été vus et ont attaqué. Et un requin bulldog respirer sur l'eau douce, c'est comme si un humain pouvait respirer sur la lune. Voilà. Non, mais t'avais un petit champ de quelque tout simplement. Assez relou, je l'ai pris deux fois. Petite info, petite anecdote. Moi, c'est le départ, je me paume à chaque fois dans la cabine du départ. Mais elle est pas évidente cette course, hein, honnêtement. C'est ici, Fred et Jean-Miguel, bonsoir à tous. Madame Mario Kart. Ouais, ouais. C'est pas le test aussi en. Ah oui, documentaire animalier, bien sûr, par ici. En moto. En ops. Avec un bulldog, ouais. Ouais, faites pas le rallye, quoi. Bah, pourtant, moi j'ai fait des tests, c'était pas mal. Je rêve d'avoir des branchies. Au pire, tu peux t'en faire. Je les ai tous les armes par terre. Bah, oui, mais bon, c'est normal, c'est une planète. C'est la planète qui est comme ça. C'est une planète qui est plus dans le commerce d'armes, tu vois. Donc, c'est beaucoup de minage. C'est une terre où tu travailles dessus, quoi. Vous savez, une terre où tu travailles dessus, c'est une terre qui souffre. C'est une terre qui est pas épanouie, hein, qui est endommagée par la souffrance de tous ces outils qui perforent la terre, bien entendu. Elle pleure, la terre pleure. Je sais pas si. Yes. Juste agriculteur, ce qui me rappelle un petit peu Interstellar, bien entendu. Nous sommes tous des fermiers. Planète industrielle, exactement. Où je suis, on retrouve un endroit avec les crocos marins. On n'a pas implémenté ça encore. Toi, tu l'as pas implémenté. C'est ça, exactement. Salut, Clippy. Le lancer de roue. Non, mais voilà, faut savoir, il faut juste savoir. C'est chaud. Appel à la chaise pour qu'il dégomme le vaisseau devant. Oui. Pourquoi vous pensez. Je vais vous expliquer un truc, d'accord. Pensez-y.
la surface de la Terre. Enfin, je crois que je suis. Je comprends pas. Enfin, c'est pas que je comprends pas, mais je crois que c'est 70% d'eau, d'accord ? Je vois pas les noms. Je vais vous dire pourquoi il y a 70% d'eau sur la Terre, d'accord ? Après, vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas, c'est comme vous voulez. Je pense juste que quand le Big Bang est tombé et a tué tous les dinosaures et les bêtes qui peuplaient la Terre, en fait, la Terre a pleuré et a rempli tout simplement ben, les cuves. En même temps, les cuves. Qui fait que ben, 70% d'eau, tout simplement. Pensez-y. Il fallait les payer, t'as pas payé les cailloux. Pensez-y. Le Big Bang, yes. Big Bang Theory. C'est 4 jeunes. Et une fille qui passe un peu. Je vais rien dire. Moi j'ai rien contre ça, y'a aucun problème. Je demande au commissaire de surveiller le pilote. Il a rien de passé. Mais c'est pas con, mais oui, c'est... bien sûr il que c'est pas con. Par... Il a coupé par la ville. Non mais voilà, pensez-y. Yes. On va faire un test antidopage. Hein. Mais vous avez vu en vrai, Big Bang Theory c'est 4 mecs et une fille qui fait du saut de mouton. Les deux. C'est un peu le monde actuel en vrai. On essaie tous de faire du saut de mouton. Tu mets en fait ce que tu dis. Mais oui, c'est mignon. Mais je dis tout le temps des trucs mignons en vrai. Hein. Ça s'appelle Eric Isaac. Eh, vous savez que cette pub était vraiment bien. On est tous des moutons. Un petit peu. On sait pas trop qui c'est le berger en vrai. Mais on sait, on sait qu'il y a un berger qui veut mettre un mur quoi. Non, je suis deuxième. Mais super, je sais pas trop où super. Aller là en fait. Bravo. Ah, cool, je vais suivre les chasseurs. On a plus d'essence. Non, c'est tout bon. J'ai une natif qui est ma mission. Normalement, le berger. Normalement, c'est plutôt un loup. C'est plutôt un loup, mon gars. Tu sers leur vie de la gauche. Ouais. Tellement stylé. C'est pour me chercher le marqueur de. Mais en fait, tu joues pas là. Mais si. Non, en fait, je suis sur une VOD YouTube là. Je me suis juste mis en fond vert derrière. Ah non, hein, vous avez pas encore mort, c'est dommage. Je découvre le jeu. Et là voilà. Je sais pas voir toute l'histoire, il connaît pas trop, faut l'excuser. Non, mais oui, y'a pas de. Mais le Big Ben. Enfin. Mais ça se dit pas comme ça le Big Ben. J'ai pas dit ça. C'est le monde juge, depuis que je taffe l'après-midi, je vois plus tes streams depuis 3 mois, c'est l'enfer. Notorious. Écoute, le mieux c'est que d'avoir trouvé un taf. T'inquiète pas pour moi. Essayez de couper si vous pouvez récupérer. On dit, pas Big Ben. Bing bang et tout Big Ben. Ah le Bing bang. Mais non. Pas du tout. C'est le Big Ben les gars. Allez pour le beau jeu. Le Big Ben a tué le dinosaure. J'aimerais bien arriver déjà. Ah ouais, ouais. Le spectacle c'est invalide. Putain. Le Big Bang. Mais c'est pas le produit pour les moustiques ça le Big Bang. Putain mais ils sont boostés leur cyclone ou quoi. Je comprends pas. Mais c'est, ouais, c'est pour les moustiques ça. Bon j'ai pas vu le... Le départ, là. Ah oui, c'est vrai que Big Ben, ouais, c'est le QB des styles. Oh, ouais, je sais pas si tu t'arrêtes plus, mais j'arrête pas. Oh putain, tellement. Bah c'est Big Ben hein, qui a... Il a couru, il a détruit les dinosaures, Drac. Salut Jean-Justin. Merci beaucoup pour ton resub et ton 14ème mois sur la JustTV. Merci beaucoup. Oh putain. Aïe aïe aïe. C'est un train. Je suis en transe. Mais c'est les FPS là. C'est les FPS les gars. Qu'est-ce que je veux vous dire. Ah ouais, mais elle est belle. Tu vas pas partir à la Terre, on voyait tout le temps le même côté de la Lune, conspiration. Je sais pas combien je suis. Tu savais qu'à partir de la Terre, on voyait tout le temps le même côté de la Lune, conspiration. Ah bah non, tu vois. Ah oui, je suis devant passer. Bah c'est parce que la Lune tourne pas gros. C'est la Terre qui tourne autour de la Lune. Mais en fait la Lune elle te regarde, tu vois, c'est un point fixe. Donc en fait tu tournes mais elle te regarde. En fait c'est un combat d'œil, tu vois, c'est une bataille de yeux. Et en fait la Lune elle branche pas du coup, la Terre tourne. Et la Lune elle est en mode tu fermes ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. C'est la loi de la galaxie les gars. La Lune a des yeux. Yes. Attends. Souviens-toi de la lune dernière. Yes. Ah bah non, soit mec, j'ai failli t'écraser. Hein, la lune était un JPEG. C'est peut-être un 20 FPS. Non, il gère invalidé. Il a les bonnes traces. Il gère super bien son turbo, à mon avis, avec le timer. T'es un Corvin, hein, vraiment. Ouais, j'ai un timer. Ah, bien joué. Je vais y dire. Moi, je suis en train de pianer. Mais tu fais les petits coups de turbo ou tu. Son nom en PLS. Il faut attendre 25 secondes à peu près entre chaque turbo. Tu le mets à fond jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ouais. D'accord. Moi, j'ai pas besoin d'études pour connaître la galaxie. C'est efficace, c'est propre.
marche, c'est. Putain, on est pas dernier. Regardez, on est vraiment pas dernier. Mais regardez-le. Ils s'amusent tellement avec leurs avions. D'accord. Oh purée, y'en a qui passent pas. Bravo Corvin, t'es un monstre. Bon, je sais pas combien je suis arrivé, je dois être vers les 5e. Mais... Nous, on est premier là. Ah, personne dit rien. Le bon accès, mon petit. Personne dit rien. Il est un dimanche parce qu'il est 23h41 et un dimanche soir. Demain, il y en a qui travaillent. Et puis ce serait invalide qu'aurait gagné de toute façon. Non, quoique non, justement. S'il y avait une troisième manche, ça aurait été le tour d'envie complet. Fermez tous vos gueules. Plus de temps. Et on va réserver ça pour la prochaine. Le faudrait pour président. Hein. Okay. Il y en a d'ailleurs, c'est quand la prochaine soirée Parce que moi je dois libérer. Je m'abuse pas. Oh, parfait. 3 mars. 2 mars. 2 mars. Ok, d'accord. 2 mars. Vous confirmez, vous serez recontacté par un tir. Bon, s'il y a des motivés, on peut aller à Adelaide. Hein. Ah oui, là où il y a des routes, c'est ça. Hein. Il me semble qu'il y a des. C'est ça. Il y a surtout des montagnes. Des montagnes et des routes. Ok, on va finir le débriefing. Ouais. Donc, moi de ma part, par rapport au serveur, ça c'est indépendant de totalement de l'organisation. Sinon, j'étais très satisfait de tout le monde. De tous ceux sur lesquels j'ai, tous les gars sur qui j'avais pu compter, vous avez fait un boulot au-delà des espérances, et franchement, vous êtes au top. Voilà. Et je vais commencer un débriefing en partant des streamers et en partant du bas, donc Terada, encore une fois, c'est encore pour toi. Aïe aïe aïe. Il faut vraiment que je rename. Donc parfait, j'ai rien à dire, à part que j'ai hâte de faire la prochaine course. Ça serait bien. Juice. Écoutez, moi c'était vraiment une course explosive pour moi. C'était vraiment super sympa. En vrai, j'ai pris vraiment. Enfin, c'était vraiment un live très marrant de mon côté. Et comme dit aussi Hugo, ça me change complètement parce que moi je suis vraiment un joueur FPS et je découvre Star Citizen avec vous. Et c'est vraiment super sympa de le découvrir comme ça avec des événements super bien organisés. Ça m'a fait vraiment plaisir et c'était vraiment super marrant. Malheureusement, ma voiture a explosé sur le premier tour. Mais franchement, je garde un très bon souvenir de cette soirée. C'était vraiment super sympa. Encore merci pour l'invitation. Très communicatif. C'est gentil. J'ai eu du mal à en remettre. Non mais en tout cas merci beaucoup, c'était vraiment super sympa et ben à ton prochain événement encore. Ok. Tonton David. Voilà,